André Manoukian envoie un nouveau tacle à Myriam Abel, gagnante de la troisième saison de Nouvelle Star, dont il ne juge pas la carrière d'un très bon œil. André Manoukian n'est visiblement pas un grand fan de télé-réalité. Celui que le grand public a découvert grâce à l'émission Nouvelle Star, sur M6, dont il a été l'un des jurés historiques, mais aussi celui à participer au plus grand nombre de saisons, ne semble d'ailleurs pas porter un regard très admiratif sur les candidats du télécrochet qui auraient choisi de poursuivre leur carrière dans ce type d'émission télé. Franchement, ceux qui y sont allés, c'était leur truc. Ce ne sont pas les bons, tacle-t-il sèchement dans les colonnes du magazine Public, cette semaine. Myriam Abel est une interprète un peu classique. Car André Manoukian a un nom précis qui lui vient en tête, « Je suis désolé pour Myriam Abel », lance-t-il faisant référence au fait que la grande gagnante de la troisième saison de Nouvelle Star, en 2005, avait ensuite participé à plusieurs éditions des Anges sur Énergie 12. Si son objectif était pourtant de signer un contrat dans une grande maison de disques aux États-Unis, cela ne semble pas impressionner du tout l'ancien juré. 20 ans après, elle envoie toujours du lourd, mais si est-il une interprète un peu classique, considère-t-il. De quoi, on imagine, faire plaisir à la chanteuse de 41 ans. Une brouille qui dure depuis plusieurs années. Ce n'est pas la première fois qu'André Manoukian donne son avis, disons, tranché, sur les choix de l'ancienne candidate. Il y a une dizaine d'années déjà, il se disait déçu de ce qu'elle a fait par la suite avec la voix qu'elle avait. Myriam Abel n'a pas mérité sa victoire dans Nouvelle Star. Un jugement un peu dur, que la principale intéressée avait déploré, surtout car les deux ont collaboré sur un disque, après la fin du télécrochet. Je pense que si est-il juste l'image de la télé-réalité. En France, on le sait très bien, il faut toujours rester dans les cases. Si tu es chanteuse et que tu as gagné Nouvelle Star, il ne faut pas aller faire autre chose, sinon ça casse ton image, ce n'est pas bon pour ton image. Moi, j'ai un peu cassé les codes, avait-elle expliqué, sur le plateau de chez Jordan, en septembre dernier. À lire aussi Myriam Abel, pourquoi elle en veut à André Manoukian ?